Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous remercier pour les 50 000 abonnés. Franchement, c'est vraiment énorme. Donc, merci beaucoup à vous tous, voilà, d'avoir atteint ce palier. C'est juste énorme, 50 000, c'est beaucoup. Donc, merci à vous tous. Et pour cela, j'ai créé, en fait, j'ai fait un projet. Voilà, j'ai eu un projet vraiment bien sympa. J'ai créé un Discord communautaire Farming Simulator. Beaucoup de joueurs console me disaient, ouais, Zero, nous, vous savez, comparé au PC, etc. On est vraiment mis à l'écart. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est rassembler joueurs PC et joueurs console. Créer plein de channels, etc. Qu'on peut discuter ensemble entre PC et console, que ce soit textuel ou alors vocal. On peut aussi, bien sûr, mettre des photos. On peut demander si vous avez un problème sur Farming Simulator ou autre, voilà. Ou même aussi, si vous voulez jouer, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il sera en description. Et juste avant de passer à l'épisode 2 des Petits Suisses, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc quand vous allez rejoindre, vous allez atterrir sur cette page-là qui est le règlement. S'il vous plaît, il faut bien le lire, ce serait vraiment bien sympa de le lire. Et quand vous l'avez lu, vous devez cliquer sur le petit truc, c'est marqué rôle menu membre. Donc là c'est marqué membre et vous devez cliquer sur le petit bouton vert pour valider le règlement. Parce qu'au début vous n'aurez aucun salon, vous n'aurez aucun rôle. Quand vous allez valider votre règlement, vous allez rentrer dans la catégorie verte qui est les membres. Et juste après l'avoir validé le règlement, vous allez juste en dessous, juste ici, et vous allez dans rôle. Et là vous devez choisir votre rôle, soit si vous êtes console ou PC, ou alors si vous jouez à FPS 19 ou FPS 17. Bien sûr, vous pouvez tout cocher si vous jouez sur les deux plateformes et sur les deux jeux. Je vous mets tout ça en description, n'hésitez pas à le rejoindre, on est bientôt 1000. Et on se retrouve directement pour l'épisode numéro 2 des Petits Suisses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 2 de la série Les Petits Suisses. Et du coup, ce qui va être trop bien aujourd'hui, les gars, c'est qu'en fait, Nico et Germain vont rejoindre la série. Parce que, bon, en fait, qu'on attendait mardi dernier, le DLC n'était pas encore sorti. Et du coup, eh ben, on était carrément bloqués. Mais du coup, aujourd'hui, ils sont là, ils ont rejoint la partie. Franchement, ça va vraiment être trop bien. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus parce que vous allez voir, on va acheter un épandeur en Kuma. Vous allez voir, ça va être trop bien. J'espère que ça vous plaira. Max de pouces bleus et c'est parti! Bon les gars, on est parti pour le deuxième épisode de cette série. Donc dans cette vidéo, je serai en compagnie de Stervio, de Germain et de Nico. Salut. Comment t'as vu les gars? Salut mec. Salut, salut. Ça va, ça va nickel. Cette fois-ci en plus on est 4, donc ça va encore et mieux. Et là, franchement, je suis vraiment trop content. Germain et Nico, du coup, on rejoint la partie, la série. Et franchement, je suis vraiment trop ravi, trop content. Aujourd'hui dans cet épisode-là, vu qu'il y a une Kuma avec Stervio, Germain et Nico, on va acheter un épandeur en commun. Voilà, c'est bien en du commun, coup, ouais. Vu que ça, du coup, ça coûtera beaucoup moins cher. Et puis on va prêter aussi notre petit décompacteur à Stervio. Décompacteur. Parce qu'il en a besoin, il en a besoin la petite Stervio. Donc j'espère que ça vous plaira. Du coup, on se retrouve chacun dans notre ferme. On est parti pour le deuxième épisode. Bah, je serai que Germain encore une fois. Comment vas-tu, mon petit Germain? Ouais, ça va, merci. Et là, je suis en direct pour une fois. J'ai réussi à me procurer le DLC. Et en vrai, c'est trop bien. Le premier épisode, tu vois, c'était trop bien quand même. C'était le premier. Mais c'était quand même un peu ennuyeux, je pense, d'un côté, parce que t'étais pas là. Et du coup, c'était un peu plus chiant. Mais là, du coup, ça va être trop bien. Vas-y, on regarde les bagnoles. On va acheter un nouveau champ qui est le. Du coup, Germain, je l'achète tout de suite. Ouais, okay. C'est ça, le 21. Le 21, donc 92 000 euros. On a combien? On a 123 000 euros, mais on peut faire un emprunt de 100 000 euros. Mais du coup, ça fait quand même très très mal. On va pas dire que ça fait pas mal, ça fait quand même très très mal. Du coup, Benjamin, 92 000 euros, je l'achète, donc ça va faire très mal. Bam, et là, on a combien d'argent? 30 000 euros, ok. Donc ce que tu fais, tu pars. Est-ce que tu vas acheter un nouveau tracteur tout de suite, comme ça, vu que la benne au concède directement ou pas? Bah voilà. Ouais, faudrait qu'on achète ça, comme ça tu ramènes direct la benne au champ, quoi. Donc du coup j'emprunte combien en argent? J'ai plus de 30 000 euros, j'emprunte combien? 50 000 euros pour commencer? Ouais, okay, je pense que ça devrait aller. On va pas en prendre un trop cher, sachant que ça va être juste pour faire les travaux un peu plus simples de la ferme, quoi. Parce que le truc qu'on a vu, le mode qui a rajouté Stervio, en fait c'est on peut maintenant acheter les tracteurs, tous les matériels qu'on veut agricole en occasion. Alors Germain, est-ce que tu penses qu'on devrait acheter un tracteur d'occasion pour commencer, vu qu'on n'est pas hyper riche, et surtout que ça se fait dans les fermes qui débutent, je pense, dans l'agriculture, dans la vraie vie? Donc est-ce que tu penses qu'on pourrait le faire? Ouais, c'est ça, faudrait qu'on se prenne un d'occas, pas un trop récent non plus pour jouer un peu RP, donc voir un petit peu ce qu'on pourrait trouver en d'occas, quoi. Vas-y, bah attends, que je vous conseille directement. Vu mon Engine Ben qui est garé là-bas, t'as vu là chez une presse, mec, allez, c'est une Massey Ferguson. Oh, elle est belle! Mais du coup, tu préférerais quoi? Donc, pas un John Deere, vu qu'on en a déjà un, c'est pas oufissime, du coup, ça en a deux. Mais, du coup, on a dit d'occasion. Il y en a un qui serait à 53 000 euros, qui fait 170 chevaux.
Alors, d'occasion ou pas d'occasion. Ou alors, sinon, on emprunte un Puma X à 165 chevaux, 95 000 euros, et il n'est pas d'occasion. Si on prend d'occasion, il coûte 76 000 euros. T'en penses quoi? Un peu trop cher ou pas? Bah, ouais, quand même, un peu cher, après, okay. Je sais pas. Bah, sinon, il y a le... Attends, on va dire... Alors, par exemple, on prend pas les 15 pour le moment. On a Fendt, on a Fendt à 84 000 euros, mais c'est pas oufissime parce que, ben voilà, c'est pas lui qu'on voudrait avoir. John Deere. On a un Massey Ferguson à 124 chevaux, mais c'est pas non plus, voilà. On a un New Holland à 2, ouais, mais les New Holland sont vraiment trop chers, donc c'est pas possible. Alors, du coup, je pense qu'il faudrait prendre deux cases, ce serait le casque que je t'avais parlé. Ouais, donc, ok, il n'y a pas le choix du coup. Non, c'était non, le casque il coûte 52 000 euros. Ah oui, ouais, celui-là, il ouais. Il fait ouais, 145 ouais. chevaux, si on le prend, il nous coûte 41 000 euros. 10 000 euros en moins. Donc, est-ce qu'on l'achète neuf ou alors est-ce qu'on le prend d'occasion? Pour 10 000 euros. Bah écoute, ouais, hein, d'occasion c'est toujours bénef. Hein. Et ben on prend d'occasion, ok, on prend d'occasion, comme ça moi, ça sera bon. Mais du coup, là, ce qu'on va voir, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste le configurer en fait. C'est dans le guidage, guidage, non, GPS. J'arrive, non, je j'arrive. Passe devant. J'arrive, du coup, je l'achète en occasion. Hein. Vas-y. Donc du coup. On achète 43 000 euros. Et du coup, nouveau trésor dans la ferme. Et... What? Tu m'entends? Ouais, ouais. Tu bugs, non? Non, pourquoi? Bah, ça fait que de charger. Enfin, les gars, ça a marché. Ça fait au moins 10 minutes qu'on essaye, mais du coup, ça, on a demandé à Stervio. En fait, on a le mode d'occasion, mais ça marche pas. Ça marche pas sur le serveur, du coup, mais c'est un peu... C'est pas ouf, quoi. Bah, du coup, on l'a pas mis. Bah, du coup, on l'a, ouais. On l'a mis en neuf, quoi, Germain, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas grave. Ah, c'était quand même 10 000 euros. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Mais par contre, Germain, il est vraiment vachement beau le tracteur. Il y a ouais, en bah, plus, on a un lycée vachement complet de fou, donc en vrai, trop bien. Bah, du coup, j'arrive. What, son ouais. bruit? Oh, son bruit, il bah, est écoute, magnifique. Je suis à 50% là. Oh oui, bah attends, j'arrive. Hein. Il y a du rendement. T'as combien de temps là la parcelle, t'en as déjà moissonné? Non, là, j'en suis au deuxième détourage, donc. Ah, bah c'est donc ouais, 3 ouais, 4 détourages, t'es bien quoi. 4 détourages, tu seras. On fera plein. Ouais, même j'arrive. 3, même 3. Parce que là, okay. Je suis au début du 2. Ah ouais, donc en fait, un tour, t'as 50% quoi. Ouais, plus ou moins. Ok, vas-y, j'arrive. Stervio nous a aidé parce que là, c'était un peu le caca, là, vraiment. C'était un... Oh non, je me suis raté loup, bah ouais, je passe par là. Hop, les... Merde, c'est le champ de Nico. Les deux Stervio, il faut pas que je rentre dedans. Il paraît qu'il y a l'écrasement des cultures, donc... Bon, ouais, c'est ça. Alors, j'arrive, Germain. Bon, du coup, je te fous la benne... Bon, je te fous la benne juste là. Voilà. Ouais, bah écoute, Et du coup, ce que je vais faire moi maintenant, en fait, je pense que je vais soit acheter une presse. Parce que. Alors, par contre, comme presse. Attends, on a combien d'argent? 25 000. Et on va monter l'emprunt à 100 000 euros, d'accord? Bah. Les gars, oui. C'est rare que je fasse des emprunts, mais dans toutes les séries. Mais là, je crois que c'est la première fois que j'en fais. On a 70 000 euros. Alors, 70 000 euros veut dire. 70 000 euros, on peut essayer d'acheter une presse, tu penses ou pas? Bah oui, il va falloir. Hein, mais du coup, comme presse, on essaie. En fait, ce serait bien. J'en avais une, ok. Attends, elle est par là. Là, elle a 24 000 euros. C'est une case. Elle fait des bottes carrées. Elle est sacrément belle. Une case, voilà. Donc, je sais pas si. On fait comment? On voit. Ouais, bah, c'est parti, case. C'est propre. Parti. On a le tracteur okay. Case, donc ça va faire un bel. Ah ouais, mais du coup, mais au pire, ce qu'on fait, Germain, je te laisse la benne là. Sur le tracteur. Et puis, je vais chercher la. Je vais aller venir presser vite fait avec le case. Voilà. Hop. Ouais, c'est ça, comme exact. Ça. Voilà, super. En vrai, c'est ce mode-là, Starview, bah, mec, c'est dommage qu'un... Ah, du coup, avec la série que Nico RL du centre, etc., ça ne marchera pas, quoi. Nico était vraiment très content de ce mode, il s'est dit, bah vas-y, on va essayer de mettre ce mode-là. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et du coup, le problème qui va pouvoir se passer, mais bon, c'est dommage, en vrai, parce que c'est quand même un bon mode qui est vraiment utile. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, Germain qui... En vrai, la mode, elle est bien, Germain, ou pas? Ah ouais, franchement, elle est super. Bah vas-y, en vrai. Tu pourras la tester, si tu veux, pour montrer aux ouais, abonnés. Parce qu'on fait, je presse un peu. Et puis ouais. On changera de son. Il y a aujourd'hui, Germain, il y a du semi. Tu sais, le champ qu'on avait commencé à créer l'autre fois en vidéo, bah, je l'ai fini en live. Et du coup, vous allez voir comment on va. Par contre, Germain, c'est pas con, mais en quelle culture on va pouvoir le semer le champ? Bah ouais, bonne question. Après, une culture qui rapporte de la paille ou alors de l'argent comme du soja. Ouais, c'est ça, en fait, c'est donc, le dilemme. Moi, je dirais plus du soja pour cette grande parcelle-là. En fait, moi, ce que j'aurais bien voulu, parce que je voulais pendant le live, ce que je me suis dit, c'est que. Oh, attends. Ce que je me suis dit, c'est que la presse le champ qu'on a, il est hyper grand. Donc je me suis dit, Germain, tu penses qu'on pourrait le couper? Et en vrai, quand Germain est arrivé sur la game, il a fait, ouais, non, c'est pas. Tu vois, on peut le laisser comme ça. Et en vrai, il a raison. En vrai, il est pas grand. Tu vois, quand on sera en train de le semer, il sera pas grand du tout. Hein. Oh, Germain. Oh, mec. Ah, il est trop bon ensemble.
En vrai, c'est une petite presse de 24 000 euros. Une petite presse, mais à botteleuse carrée. Donc une presse à une botteleuse à carré à 24 000 euros, il n'a pas énormément, tu vois. Ah ouais, en plus, il roule bien. Il est bien, il est bien. Donc en vrai, je pense qu'ils sont à pouvoir faire quelques bottes de paille en vrai. Germain, il y a la bûche qui est ouverte. Ah. Ouais. Regarde, Germain. Yes, t'en penses quoi? Ouais, bah ouais. Ah ouais, l'ensemble, ouais, il est stylé, j'avoue. Voilà, il est vraiment propre. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Et le traiteur qu'on est, il fait 170 choix. Germain, il m'a dit, bah en vrai, mec, ce serait peut-être pas mal de bah, en fait, le traiteur, on peut l'améliorer pour 5000 euros en plus. On a 200 chevaux de, on a 20 chevaux de plus, pardon. Et après, bon, vu que c'est un début de série, est-ce que vraiment. Voilà, je sais très bien que si le tracteur on le garde, on pourra le faire. Mais ouais, là, c'est ça. Là actuellement, voilà quoi. Autant y aller tranquille, mec. Voilà, c'est ça. Puis, voilà, en vrai, si on le garde, vu qu'il est pas mal de. Au début, il était pas ouf. Mais vu qu'il a pas mal en vrai de configuration, genre le toit, on a pu le mettre en vraie case, en vrai gros case, tu vois. Et du coup, il est vraiment plus beau. Donc en vrai, bah, c'est carrément bénéfique pour nous, c'est carrément mieux, on va dire. Donc, vrai, voilà. Mais je l'ai pressé un tout petit peu, Germain. Parce que là, il y a un Johnny de toute façon qui est à la ferme. Donc je peux commencer peut-être un peu à bosser à la ferme en vrai. Ouais. Voir ce que ça donne. Et puis vas-y en vrai, moissonne, y'a pas de soucis. Et puis même si t'en as un peu marre, tu sais, on pourra aller à la ferme. Et puis tu caches juste un ouvrier dans le champ, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu pars semer du coup. Mais là, je vais aller voir ce qu'il y a à faire à la ferme en vrai. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faucher, donc je m'arrêtais là, bam. Il y a le traiteur de Stavio qui est ici. Ah bah attends, je crois que Stavio va venir. Bah attends, faut que je sois à la ferme. Stavio, je crois qu'il va venir. Je vais envoyer l'argent à Stavio. Ah non, faut que j'aille à la Kuma. Donc, attends, j'ai envoyé l'argent à Bastien dans la Kuma, ça sera fait comme ça. J'ai envoyé donc 10 000 euros qu'on a envoyé à Stervio d'argent. Parce que je peux même pas y envoyer d'argent. Pourquoi? Je peux pas. Ah, pour moi, j'ai rentré, bam. Et du coup, on lui envoie de l'argent, 10 000 euros, c'est pour les pandas. Je me suis raté, encore une fois. Bam, transférer de l'argent, on met 10 000. Et là, on transfère. Du coup, on a plus 36 000 euros. Mec, 36 000 euros avec un emprunt, ça fait très mal par contre. Hein. Oh putain, ça va être très mal. Bon, du coup, pour la rubaneuse, on n'a pas forcément trouvé, mais au pire, on regardera sur un site de mode pour voir s'il y a ou pas. Donc là, le petit souci qu'il y a, alors je vous explique. J'ai acheté cette faucheuse-là en live de Stervio, le petit saumoir qui est ici. Et du coup, bah, c'est tout, voilà ce que j'ai acheté. Mais le problème, c'est qu'il y a des trous dans la parcelle. C'est nous qui avons fait les trous avec Germain, parce qu'on a dû recommencer l'épisode l'autre fois, le dernier, le premier qu'on a tourné. Et du coup, c'était vachement compliqué. Du coup, voilà ce qu'on a fait. Mais il y a quand même pas mal d'herbes à faucher, Germain. Du coup, bah, je vais commencer. Et puis en reste, tu voudrais changer après, hein, comme tu veux. Ouais, oh mec marche. Ouah, le bruit de la machine. Oh, il est tellement beau. Ah le ouais le bruit de la faucheuse, il est tellement satisfaisant. Il est tellement beau. Oh là là. Oh, je kiffe. Là, ça va rien faire. Là, ça va rien faire, ce qui est sûr. Mais il est tellement... Il a un bruit, mais il a un bruit magnifique en vrai. J'adore, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. En vrai, j'ai vu que j'ai fait dans ses vidéos, il apprenait. Et je me suis dit, j'espère que c'est celle-là que Stavio a installé dans les mods. Et en vrai, ouais, c'est celle-là. Et en vrai, elle est vraiment trop trop belle. En vrai, j'aurais pu prendre une machine DLC, mais celle-là coûte 7000 euros. Et en vrai, c'est vraiment, vraiment bénef. Mais ce qui m'inquiète là, c'est qu'il nous faudrait un endaineur. Donc, à me dire, c'est possible d'avoir un endaineur pas trop cher. Mais. Aussi le truc c'est que il va nous falloir une presse ou une enrubaneuse. Donc une enrubaneuse qui ne veut pas et qui nous vaut à peu près 10-15 000 euros. Ce qu'on trouve en mode, ça va être très compliqué. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Mais ça va être très compliqué. On va essayer de trouver. On essaiera de trouver ça, on verra. Hein. Mais pour le moment ça va être un peu chaud. Mais en vrai je suis sacrément content de la faucheuse, tu vois. Je suis vraiment, il y a un. Franchement j'aime bien. Franchement c'est, ouais, c'est bien. Du coup je t'envoie, tu fais quoi là? Bah là j'ai mis un ouvrier okay. Dans la Nyolande et du coup je suis en train de presser. Vas-y, nickel, bien nickel. Et oui, et du coup Germain c'est ce qu'il a fait pendant que j'étais pas là tout à l'heure. Le champ, vu que j'ai fini le labourer, Germain a bien en fait bien essayé de foutre le champ en fait sans. Comment on peut dire Germain? Sans. Dents quoi, il y avait des petits dents. Ouais des voilà, il y avait des. Voilà c'est ça, du coup Germain a un peu corrigé. Comment t'arrives pour corriger ça? T'as pris l'outil Ouais, j'ai pris le labour et je me suis fait un peu chier, et puis c'était bon. D'accord, ok, super. Et j'ai également relissé un petit peu tout le terrain de la ferme, je sais pas si. Oui, c'est vrai, on va monter ça, puis on va le faire voir ça. Et en vrai, ouais, c'est ce qu'il fallait vraiment. Bah, en vrai, je pense que cette série-là, ce qu'on va devoir faire vraiment, vraiment, c'est vraiment lisser tout le temps. Vraiment. Parce que c'est tellement une map, où on est obligé de faire ça. Que bah, on sera vraiment obligé. Donc je vais faire voir un peu ce que Germain a fait. Mais en vrai c'est du très bon boulot Germain. Franchement donc 10 sur 10 à toi Germain. Mais en vrai, non, c'est rien de compliqué mais ouais j'ai remis un petit peu de texture terre pour comment dire harmoniser le tout. Ouais parce qu'on a fait ça en bref l'autre fois un peu en vidéo. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ok. Et là ouais ce serait bien de décorer un petit peu. Je crois que d'ailleurs Bastien et Nico ils vont faire ça. Ils vont redécorer un peu leur terre. Bah, vas-y si on donc, peut après, décorer. Après avoir niveau argent mais ouais ce serait pas mal. Après parce qu'on a 36 000 euros, si on va chez une presse mais une enrubaneuse ça va être très compliqué. Donc on va essayer de voir un peu. Mais on peut commencer un peu à décorer si tu veux, on peut se permettre un peu si tu veux ici. Après si t'as des idées, nickel.
Donc viens si tu veux décorer la ferme si tu veux en vrai. Hop, on peut décorer la ferme si tu veux, ça me dérange pas. Ouais. Bah écoute, ouais. Donc la délimitation que j'ai fait les gars. En vrai. Oh la parcelle. What? J'ai rien, faut que tu viennes là. What mec, ce que j'ai fait. La délimitation. Et en vrai il y a quelques trous mais ils sont pas énormes les trous donc c'est trop bien. Attends, mais le truc. What the fuck. Oh c'est trop bien, et par contre c'est vraiment bien. Et là mon gars je me dis si on arrive à trouver une enrubaneuse vraiment très peu chère, on peut se mettre vraiment bien avant les bottes d'enrubaner. À part si on a un peu une pénalité, un peu comme une ferme voisine, on doit vendre que la moitié du plateau ou un quart du plateau. Ça peut être très possible en fait, donc voilà. Jarrah t'es où là, t'es en train de pré... Ah tu vois. Ah non y'a Starveux qui ramène, je vois Starveux, bah on est à la ferme en fait. Et Starveux arrive avec les brodeurs en grès à la ferme, donc c'est vraiment top. Donc Jarrah en fait t'as assez le terrain ici en fait, voilà. Et même, ouais, même là, en vrai c'est bien fait, j'adore, franchement j'aime bien. Allez, c'est parti. On est reparti, ah, Starveux va arriver. Et t'as vu un peu mec, tout le terrain, mets-toi en l'air mec, tu vas voir, tu te dis, ah ouais c'est chaud. Allez Starveux, putain, Starveux qui traverse les champs, regarde-moi ça. Attends, vas-y Starveux les gars. La texture elle est quand même incroyable, la nouvelle texture d'herbe. Bah, c'est des pissenlits. Des, tu vois, je sais pas, des marguerites, je sais pas ce que c'est. Mais en vrai c'est vraiment trop beau. Mais ouais, il est bien, tu sais qu'il fait 100 chevaux avec le tracteur, c'est énorme, hein, vraiment. Ouais. C'est énorme. Starveux qui arrive, vas-y, hop. Les pendants qu'on a acheté en commun, parce que vu que Starveux n'en a souvent peut-être pas l'utilité, ou alors il a pas la place, bon, on le garde ici, voilà, c'est peut-être. C'est un peu un mieux. Attends, par contre, mec, la benne, elle est où? Elle est dans le fond là-bas. Et du coup, t'en es. Ah, mais je vais être plein. Ouais, bah oui, t'as vu, c'est bien. Bah, vas-y, je pense qu'on va avoir une belle plaine, hein, je pense. Attends, par contre, c'est baissé là? Ouais, bah, ça serait bien, oh merde. Ouais, en fait, t'as vu cette barre de coupe, on a l'impression que c'est pas baissé, alors que ouais, c'est baissé. Ouais, mais en fait, si. Bon, en fait, tant qu'elle touche pas le sol, mais ce qui me fait peur, c'est. On a l'impression qu'elle est baissée alors qu'elle est levée, ouais, c'est plus ça. Ah non, ça l'a vu, c'est les rabatteurs en fait, ouais. Bon, en vrai, tant qu'elle touche pas le sol, ça me va, quoi. Oh, on est. Ah ouais, mais en vrai, mec, de derrière, on dirait qu'elle est baissée. Ouais. Non, je me suis fait avoir. De devant, ça va, de devant, ça va, on est vraiment trop bien. Toi, on va pas tarder à s'arrêter, les amis, parce qu'on aura quand même pas mal de petites choses, bah après, il y a encore un peu le temps. Vas-y, ah, attends, par contre, faut faire la vidange manuelle. D'accord, ok. Super, alors dans la benne, on peut pas voir dans la benne, on a combien. Mais je pense qu'on va pouvoir faire une benne complète, je sais pas. Attends, on va faire ça, bam, voilà. Oh oui, oh mec, une benne complète, c'est possible, hein. Bah oui, oh, je pense. Oui, ou alors on sera pas loin de la benne complète. Ça va être trop bien, les gars, avant de ça va être top. Vraiment, ça va être trop bien. Au moins, ça nous fera de l'argent un plus, un peu. Ouais, au moins, 30 000 euros, ça serait pas mal d'avant de ça, 30 000 euros. Ouais, 30 000 euros sera possible. 30 000 euros sera cool. Allez, vas-y, dépêche de vider, nickel. Oh les gars, regardez, en gros, on est bien, on est vraiment bien. Donc on fera peut-être pas une main pleine, mais on sera pas loin alors. Allez, hop. Bam. Et du coup, bon, on va finir moissonner là. Allez, comme ça, on aura tout fait dans cette vidéo, on aura pas mal de choses. La prochaine fois, je pense que, bah, quand... Ça fait quoi, ok. Quand Nico, c'est Stav qui streamera en premier, je crois, et Nico aussi. Donc ce qu'on fera, bah, bon, je pense que j'irai avec eux, je sais pas si tu seras là, Germain. Ouais, bah, au pire, on va découvrir un peu. Ouais, bah en vrai, si tu veux, bah, quand on pourra parce découvrir la prochaine, on va ou voilà. C'est intéressant, mais c'est vrai que décorer pendant une vidéo, c'est un peu chiant. Ça peut se faire, mais pas faire ça pendant une demi-heure, tu vois. Ouais, bah. Donc voilà. Ouais, non, mais ouais, franchement, c'est. Et du coup, attends, en termes de rendement, on a quoi là? On a déjà 500 litres déjà. Donc ouais, on fera pas une benne pleine je pense, mais en vrai on sera pas loin du tout, et ça franchement c'est vraiment top. À la fin de cette vidéo, Germain va finir de presser, moi je vais finir, bah du coup le moissonnier c'est fait, et je vais aller vider ma trémie. Bon j'ai j'ai 2 tonnes, j'ai plus de 2 tonnes déjà, donc c'est propre, c'est vraiment propre, je suis assez content du résultat. Toi Germain, t'en penses quoi? Tu penses qu'on a fait comme une bonne moisson pour cette première partie ou pas? Ouais bah ouais, hein, parce que c'est un petit carré, je crois que c'est limite c'est le plus petit champ de toute la carte, hein, je crois. Ouais, pas loin, donc mec ça veut dire qu'en fait que Starview ils ont dû se mettre vraiment bien. Bah oui, c'est pour ça qu'ils avaient une benne pleine, mais ils avaient une benne plus petite que nous, mais une benne pleine presque, bah voilà quoi, quand ils ont fait la moitié du champ, donc comparé à nous. Ah, c'est vraiment propre. En vrai, ok, ben voilà. Juste être curieux pour voir on a combien de tonnes un peu là-dedans. Dis-nous, ouais, tu as combien de tonnes? Je pense que moi, t'es à 20, 18 tonnes. Dites en commentaire, faites vos pronostics. Et du coup, on a combien? On attend aux Zibardi. Et nous avons exactement 13 tonnes 8, donc on peut arrondir à 14. Qui avait la bonne réponse? Bah, pas moi, j'avais dit 18 tonnes du coup. Ouais. Et je crois que la benne, elle fait 18, hein, voire. Ah, je crois qu'elle faisait 24. Non. Ah merde, ok d'accord, bah je me suis raté les gars. Bon. Là je suis à 84% avec 13,8, donc à devoir 16 tonnes. Ouais. 16 tonnes je pense, ok. Bon bah voilà, bon ce qu'on fait les amis, en attendant que Starveux finisse sa vidéo avec Nico de leur côté, et on se retrouve directement pour voir l'avancée de leur ferme. Bon Nico, je vois que t'as passé pas mal de déco là.
Ah ouais, t'as vu, c'est sympa, regarde. Bon, en vrai, j'aime bien, j'aime vraiment ce que t'as fait. Vraiment, c'est bien. En vrai, pro. On a plus de chou. En vrai, on va appeler cerise après. Il y a plus de chou. En vrai, j'aime bien, c'est propre. Non, par contre, il y a que le gros arbre, je suis pas convaincu, mais bon, si bah, tu les abonnés arrivent à convaincre, c'est bon, y'a pas de problème. Ah, mais mec, faut l'enlever. Tu le rétrécis. Il y aura juste un trou. Non mais par contre, faudra le remplacer par un vrai arbre, par contre, mais un peu plus petit. Ouais, un peu plus petit, ouais. Un sapin de Noël. C'est bientôt décembre. Mais ouais, vous êtes pas. Ah bah voilà. C'est bien ce que vous avez fait, en vrai. C'est vraiment propre. Moi j'aime bien. Et puis du coup, on a placé un bâtiment. On a créé un champ. Ah mais c'est comme le nôtre, celui-là. C'est le même. Ok, d'accord. Un petit champ. Le bâtiment, c'est le même que le nôtre, celui-là. Ouais, bah oui. Il est ok. Oui, puis il est en bois, donc. On a ramené un peu d'engrais. On a acheté un petit karcher aussi là. Il est juste ici. Ah ouais, pas mal. On a acheté un an dernier, donc on a commencé à en donner. Et les semences aussi. Mais les semences, alors attends, les semences aussi. Mais en fait, Nico, t'as fait quoi dans la vidéo? T'as juste placé toi en fait, ou t'as travaillé quand même? Ah si, j'ai aussi fait de la paille en bas. Ouais, en bas, d'accord. On a acheté une presse aussi. Oui, ok, ouais, d'accord. Mais attends, go en bas, c'est parti. Mais du coup, mais pourquoi il y a une presse au tracteur? Ah, il y a une presse au tracteur, vous avez pas ce tracteur en fait? Oh non, on a pas fini en fait. Ouais, un peu comme nous, d'accord. Donc on a acheté une petite presse sympa. Ok, quoi d'autre vous avez fait? On vient de tout presser dans le live de demain. Voilà. D'accord, et en termes d'argent, est-ce que vous êtes bien ou pas bien? Bah non, on est très bien. On a que 3000 balles, mais ça va. 3000 balles, mais vous avez un emprunt derrière ou pas? Non. Vous avez pas d'emprunt? Eh ben ok, ben nickel, bah comparé à nous, c'est que nous on est vraiment dans la mousse, c'est la première fois. On est bien, enfin on est bien, oui. Bah oui, mais vous avez pas d'emprunt en plus. Donc c'est ça qui est vraiment propre. C'est la fin de l'épisode numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Stervio, je pense que tout le monde l'a vu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je tiens à préciser, Nico, tu seras quand en live? Dis-moi. Mercredi soir à 17h30, 18h quoi par là. D'accord, et Stervio? Moi, demain soir. Demain soir, d'accord, mais voilà, les amis, n'hésitez pas à le retrouver en live sur Stervio 3.0 et sur la chaîne de Nico, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment trop bien. On a fait pas mal de choses avec Germain, donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 lundi prochain, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, les amis. Salut, ciao. Salut.